Et le dernier jour, avant de reprendre le train à la grotte, j'étais là où était Bernadette Soubirous. Il faisait beau. Et il y avait l'Eucharistie, je pense. Je n'ai pas pu approcher de la grotte. Je ne sais plus ce qui était comme pèlerinage, si c'était des étrangers, mais au moment de partir, j'avais donc toute cette amertume. Mais c'est là où, d'un seul coup, rapide, un coup de vent m'est passé en. Là, je ne peux pas vraiment expliquer, mais en 2 secondes, ça passait rapidement. Ça m'a touché. Et j'ai regardé l'arbre qui était derrière moi, juste où était Bernadette Soubirous, quand il y a la disparition. Mais l'arbre, il bougeait pas. Mais j'ai senti quelque doux qui m'a touché, comme si c'était une présence féminine, comme un voile de mariée. C'était doux en même temps. Mais j'ai pas réalisé sur le moment. Et quelques secondes après, ça recommençait une autre fois. Et là, d'un seul coup, la paix m'est tombée dessus. Mais alors, j'ai failli tomber à genoux. J'avais presque pleuré. Je ne sais pas ce qui m'arrivait. Mais en même temps, il n'y avait pas de vent. Pareil, encore un coup qui est passé. Et après, j'ai réalisé que c'est cette paix, mais alors, qui m'est tombée. J'ai repassé le pont qui va aux hospitaliers du côté de la prairie. J'ai resté au milieu du pont et je me suis dit, mais là, il s'est passé quelque chose, mais je n'ai pas réalisé. Et je me suis dit, je repars à Lourdes, mais je voulais en Vendée, mais vraiment, je ne voulais pas partir. J'avais envie de revenir, de rester là. Ce que je voudrais dire sur Lourdes, il n'y a pas qu'à Lourdes, mais sur Lourdes, moi ici, on n'a pas des grâces physiques, on a des grandes grâces spirituelles. Et moi, je l'ai vécu pour moi. Là, j'ai une autre personne aussi, je pense aussi que c'est spirituel. Et Marie, Jésus, il peut faire des grandes choses, je pense. Il y en a qu'on voit les souffrances physiques. J'étais 13 ans particulièrement hospitalier. Mais il y a beaucoup de souffrances des gens debout, qui est en leur homme. C'est l'enfer aussi, qui souffre énormément. Mais je pense qu'en partant de Lourdes, beaucoup, ils retrouvent la paix. Ils retrouvent aussi cette amitié, cet échange à Lourdes, des gens qu'on ne connaît pas, qu'on croise, et d'ailleurs qu'on revoit aussi peut-être chez nous aussi, après, en dehors des pèlerinages. Mais je pense que c'est ces échanges ici à Lourdes, de ce qu'on vit. Je crois que la Sainte Vierge et Jésus, ils sont pour beaucoup. Mais moi, je pense que, oui, vraiment, à Lourdes, il y a des grandes grâces. Et on a vraiment cette grâce, nous, de croire. C'est une grâce, je pense, qu'on reçoit, nous. Il y a des moments forts à la chapelle de l'Adoration, à la grotte, partout. Mais je sais pas, on sent près de Marie. Et Marie, elle est là, Jésus est avec nous. Il marche à côté de nous, il est en nous. Et Marie, elle est là, notre maman aussi. Moi, je peux dire, si vous avez envie, venez à Lourdes.